Je ne pensais pas qu'on reviendrait. On n'est pas tous revenus. Mais il ira mieux maintenant. Comme nous tous. Je suis là si tu as besoin de parler. D'accord. De l'air frais. La rascasse. Tu nous as sauvés. Comment tu te sens? Toi d'abord. C'est comme... après un rêve étrange. Un rêve horrible. Mais je pouvais pas me réveiller avant de l'avoir fini. Transformé. Comme... une renaissance. Il y a une nouvelle maison qui nous attend, Lucas. Est-ce que tu viens avec nous? Eh bien... je dirais... que Hugo et toi, vous êtes ma maison. Alors... oui. On est heureux de t'avoir à nos côtés. Je pourrais dormir des semaines. Je rêve d'un bain aussi. Comment est la vue? C'est beau. À quoi tu penses? Tu crois que je suis différent? Eh bien, je ne sais pas. Tu as faim? Hein? Oui. Alors, tu es toujours toi. Je me sens... différent. Tout a l'air différent. Ça s'appelle grandir, Hugo. Et certaines choses font grandir plus vite. C'est vrai? Oui. Mais on va calmer les choses maintenant. On va prendre tout le temps qu'il faut. J'ai hâte d'être dans la montagne. Bientôt. Très bientôt. On rentre à la maison, Hugo. Notre maison. Oui. Reste là. Il vaut mieux ne pas te réveiller après tout ça. Crois-moi. Salut. Bien dormi ? Je me suis réveillée en pensant être morte. Un grand classique. Qu'est-ce que tu comptes faire? Ma mère... elle avait une maison. Une vieille maison dans les montagnes. Je lui ai promis qu'il pourrait être heureux. C'est là qu'on ira. C'est une bonne idée. Tu seras toujours la bienvenue. Même si tu n'aimes pas l'altitude. Eh... les gens changent. Est-ce qu'il va bien? Qui sait? Et si on lui demandait directement? D'accord. Tu es vivant? À ton avis? Les morts, ça parle pas. Bien fait. Et... je suis désolé pour... mais... pour tout ça. Merci d'avoir convaincu ta sœur de m'aider. Tu m'as sauvé. Ça alors, tu t'es enfin décidé à être gentil?
Me le fais pas regretter. La guerre est finie, Arnaud. On a tous mérité un peu de repos. Tu devrais essayer, toi aussi. Hé ! Un bateau ! Oh non, c'est le comte ! Il est en train de nous rattraper ! Tu vois, c'est le problème avec la guerre. C'est pas toi qui décides quand elle s'arrête. Non, non, c'est pas possible! Il faut à l'intérieur, plus vite. Hugo! La grand voile! Tu seras à l'abri! Reste à la barre! On va hisser la voile! Amicia, par ici! Avec moi! J'arrive! Ils s'en sortiront! Reste dans la cabine, quoi qu'il arrive! D'accord? D'accord! Occupe-toi de la corde, de l'autre côté! D'accord! Ce salaud veut pas lâcher le morceau! Il faut les distancer! S'ils nous abordent, c'est fait! Viens! Ils continuent de gagner du terrain! Oh non, oh non! Qu'est-ce qu'on fait? On est la voile dans le sens du vent! On a besoin d'un meilleur angle! Amicia, va sur le pont inférieur! Tout de suite! Tout va bien se passer, Hugo! Fais attention! Hugo, cache-toi sous la table ou le lit! Reste-y, je vais jusqu'à te donner du mouvement avant que tu tires vers toi! Oui! On n'a pas le droit d'échouer, Arnaud! Aucune chance! Ça marche! On prend de la vitesse! Mais ça ne suffira pas! On ils arrivent! Chargés. Jetez de la cargaison à l'eau! Tout de suite! Donne-moi un coup de main, Amicia! J'arrive! Oh, désarçez! Baissez tous la tête! Je m'occupe du chargement. Vas-y! D'accord. Tiens bon, j'arrive! Vous pensiez vraiment vous enfuir avec mon enfant? Ne mine pas ton enfant, espèce de fou! Touche-le éternellement, Rita! Ne faites pas de mal à l'enfant! Tuez tous les autres! Vous avez encore le compte! Tirez! Tirez! Allez au diable! Tous! Maintenant. Arnaud! On prendra une heure!
allumée. Venez donc. J'ai fini de m'échauffer. Vous mourrez plus vite. Vous ne méritez pas cet enfant. Il servira à... Hugo, viens avec moi. Hugo, viens ici! Oh, désolé, petit. Les rats ne t'aideront pas ici. Non! Voyez ce petit être si fragile. C'est bon! T'as gagné! Ne le tue pas! Le tuer? C'est le fils d'Emily! Mon fils! C'est un dieu! C'est un fléau, Victor! Tu dois le laisser s'en aller! Avec sa sœur! Non! Je le dois à Emily! Avec elle, j'étais si sûr que ce monde portait autre chose que le sang, la guerre, que je pouvais étouffer cet incendie qui couve. Mais en vérité, les gens comme nous viennent au monde pour attiser les flammes. J'ignore ce que tu veux faire, mais tu échoueras. Il causera ta perte. Cet enfant fera ce que je lui ordonnerai. Nous plongerons ce monde dans les flammes. Et je bâtirai un empire sur ses cendres. Un monde bien meilleur. Reviens ici, lâche! Tu me dois du sang! Je me suis déjà acquitté de ma part. Tout ce qui compte, c'est que mon fils se repose. Achevez-le!